si la venue de Jésus doit changer le visage du monde, si elle doit constituer une véritable révolution, c'est à condition que nous l'acceptions comme une tâche qui est offerte à notre liberté. Car Jésus ne vient pas, comme tant d'autres messies, transformer lui-même le monde. Il nous propose tout simplement une nouvelle attitude, très exigeante bien entendu, la fraternité, qui elle ne dépend que de nous. C'est pourquoi la bonne nouvelle que le Christ apporte ne résout aucun problème aussi longtemps que nous ne nous engageons pas. Ce sera là le thème de toute cette causerie musicale, composée de 10 chansons que je vous propose aujourd'hui. Voici d'abord une chanson de Noël, puisque c'est là que tout a commencé, c'est-à-dire l'aventure de Dieu dans ce monde, voulant partager notre vie pour que nous partagions la sienne. Oh, que vienne la nuit où le Fils éternel qui naîtra de Marie va remplir l'univers sans éclat, sans honneur, tout petit. Oh, que vienne la nuit où je vais contempler le gamin du bon Dieu qui naîtra de Marie. Où est-il le bon Dieu? Où se cache Jésus? Sa demeure choisie serait-elle mon cœur? Oh, que vienne la nuit où je vais contempler le gamin du bon Dieu qui naîtra de Marie. Vienne la nuit où le ciel tout entier a les yeux sur la terre, attendant la venue de Jésus qui nous donne la vie et le Père éternel, sachant l'heure accomplie, a voulu que le monde ignora sa venue. Où est-il le bon Dieu? Où se cache Jésus? Sa demeure choisie serait-elle mon cœur? Et le Père éternel, sachant l'heure accomplie, a voulu que le monde ignora sa venue. Gloire au Père éternel, dans l'esprit son amour m'est fait part chaque jour. Au mystère du ciel, en Jésus qui habite mon cœur, laissez-moi donc chanter les promesses de vie qui descendent du ciel sur la terre engourdie. Où est-il le
cache Jésus, sa demeure choisie serait-elle mon cœur? Laissez-moi donc chanter les promesses de vie qui descendent du ciel sur la terre engourdie, sur la terre ravie. Je vous propose maintenant une réflexion fondamentale. Faites-en ce que vous voudrez. Je vous la livre telle qu'elle me vient à l'esprit. Jésus ne vient pas imposer aux hommes un salut qu'ils n'attendent pas. Mais justement, il vient répondre définitivement à la question fondamentale de l'homme. Le bonheur ? Comment le trouver? Je vous parlerai de la réponse tout le long de cette causerie. Laissez-moi vous dire dès maintenant que cette recherche effrénée du bonheur et l'inévitable déception qui s'ensuit est l'indication la plus claire que notre destinée est divine. Ce que je cherche sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Même dans mes démarches les plus douteuses, dans mes agissements les plus égoïstes, je cherche pitoyablement celui qui seul peut combler le vide infini de mon cœur. Restons-en là pour l'instant. Voici une fille handicapée et qui mendie un peu d'amour. Voici une fille handicapée et qui mendie l'amour. Elle l'a cherché un peu partout, mais elle ne l'a jamais trouvé. Jamais être comblé. Ce qu'elle veut sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Ce
sais que le veut sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Foyer ne s'entend plus, on cherche ailleurs un peu d'amour. Quand les foyers ne s'entend plus, on cherche ailleurs l'amour. On cherche encore passionnément un quelque chose toujours manquant. Et l'on jamais être comblé. Ce que l'on veut sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Ce que l'on veut sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Ce que l'on veut sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Ce que l'on veut sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Jésus se présente à nous comme le seul capable de satisfaire ce désir infini de bonheur qui nous habite. Il est le seul détenteur du secret et il veut nous le communiquer en nous disant « Un seul chemin est possible, la fraternité, l'amour. En dehors de cela, point de salut. » Ce que je vous raconte maintenant, c'est un exemple parmi tant d'autres où la fraternité est bafouée. Mon voisin a été brutalisé, puis enlevé sous mes propres yeux pour une destination inconnue. J'ai suivi attentivement le déroulement de toute l'affaire, sans perdre un seul détail. Puis, quand tout fut fini, je suis rentré tranquillement chez moi, comme si rien ne s'était passé. Comment peut-on être si insensible, si lâche? J'essaye de trouver, bien sûr, des excuses. J'ai une femme et des gosses à la maison. Je suis encore jeune. J'ai mes devoirs à faire. Ces affaires tournent souvent très mal. Entre-temps, une famille amie est tombée dans le désespoir et l'abandon. Des rues.
les yeux à garder sa femme, n'ont rien perdu. Enfin on l'a ligoté, puis la voiture, laissant une longue traînée des sons partis. La la la. De cette nuit, il n'a trouvé le secours d'aucun ami. C'était un film sans payer qu'on nous offrait. Nous en avons tous ensemble bien profité. Nous avons vu le malheur chez le voisin. Nous avons vu ces gamins hurler de peur. Puis lentement sommes rentrés chacun chez soi. Comme si rien ne s'était passé ce soir. La 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 la. Se sont tellement habitués à voir la misère que nous avons perdu le sens même de ce qui est bien et de ce qui est mal. On finit par trouver tout normal. On en rigole même. Le cas de mon voisin qui me touche de près me montre que je peux être lâche. Mais il y a des cas où mon indifférence se tourne en méchanceté. Je vous propose le cas d'une pauvre veuve qui doit se prostituer pour nourrir ses gosses. Elle n'a pas trouvé d'autre issue. C'est la vie, disons-nous, d'un air amusé, ou bien d'un air hypocrite, nous montrons combien son comportement nous dégoûte. Vous êtes-vous donné la peine de vous mettre dans la peau de celui qui souffre? On serait déjà loin. On respecterait davantage les morts et leurs familles. On agirait plus gentiment envers les vieillards. On aimerait tout autrement le cousin qui habite chez moi. Ouvrons donc nos yeux
et d'un regard compatissant, voyons les cas de cette femme et réfléchissons à ce monde que nous construisons et qui, par manque d'amour, engendre des cas pareils. Qui mène à la ville, une femme a perdu son argent. Elle pleure toute seule sous la pluie, elle marche en pleurant. Elle avait tout vendu au marché, en rentrant elle était dans la joie. Maintenant que sa joie est gâchée, elle marche en pleurant. Elle est veuve, elle pense aux enfants, si petits qu'ils ne font que manger. Aujourd'hui ils connaîtront la faim, elle n'a rien à porter. Tout à coup elle rebrousse chemin, elle n'a plus que la peur en son âme. Au plus vite trouver de l'argent, six enfants le réclament. Le visage, les yeux refermés, notre veuve se jette à la rue, met en vente son corps défloré au marché de la vie. Quand elle rentre au village, dans son pagne les peu de monnaie qu'un client anonyme au passage en salaire a laissé. Elle ne peut reposer cette nuit, elle regarde dormir ses enfants et la peur qu'au réveil il devine cet argent. À la fin, ses paupières se ferment et le bruit diminue alentour. Un sourire crispé met un terme aux pensées de ce jour. Il arrive de temps en temps que notre indifférence se mue en colère ou en indignation, lorsqu'il s'agit du malheur qui frappe injustement des êtres innocents. Hélas, ce mouvement généreux de notre cœur ne dure pas longtemps, surtout lorsqu'il s'agit de passer à l'action. Voici une histoire réelle, celle de deux enfants qui se sont évadés d'une maison de redressement non loin de Kinshasa. Ils cherchent une lueur d'espoir dans leur vie. Ils escaladent les murs pour aller à la rencontre du bonheur, mais il y a des gens qui sont payés pour qu'ils ne l'atteignent jamais. Quel mal ont-ils pu commettre ces enfants pour se voir si durement châtiés? Aucune des joies que tout enfant a le droit d'éprouver ne leur a été offerte, et l'obscurité les enveloppe à jamais.
vraiment à jamais. Ceci nous invite à réfléchir au sort injuste des milliers d'enfants qui n'ont pas eu la même chance que nous. À l'abri de la nuit et la peur dans les yeux, deux enfants qui ont fui la prison des mineurs, à l'abri de la nuit. Deux enfants de la terre et de pères inconnus, deux enfants qui n'ont guère eu leur compte de vie, deux enfants de la vie. Dépouillons les manguiers qui jalonnent la route, ils remplissent le sentier de leur rire. On dirait des enfants d'un village sorti, mais jamais des brigands que le monde poursuit, que le monde poursuit. Moitié du chemin, épuisé par l'effort, il se lave le corps dans les eaux d'un ruisseau, il se lave le corps. Le soleil du matin leur a fait oublier le sifflet des gardiens, les appels et la peur, les appels et la peur. Ils sont près de la ville, très loin de la prison, les buildings se profilent déjà à l'horizon. Mais pour les pauvres gens, pour les déshérités, rien n'arrive jamais comme ils l'ont désiré, rien n'arrive jamais. Car au bout du chemin, aux abords de la ville, on attend les gamins, on saisit les babilles, juste au bout du chemin. Et au dernier tournant, la joie si attendue a déçu les enfants avant d'être connus, la joie si attendue. Ils n'ont eu dans la vie que la part des laissés, ils ont connu l'envie, ils n'ont rien possédé. Et les cœurs des enfants à jamais s'est fermé pour ce monde méchant qui ne s'est pardonné. Et les cœurs s'est fermé. Et les cœurs des enfants à jamais s'est fermé pour ce monde méchant qui ne s'est pardonné, et le cœur s'est fermé. Finalement, c'est qu'assez triste que je vois autour de moi. Me regardait-il? En quoi me concerne-t-il? Moi, je ne fais de tort à personne, dis-tu. Je n'ai jamais volé. Je n'ai pas d'ennemis.
Toujours cette manière mesquine d'ajuster ton comportement à une série de commandements que tu ne dois pas transgresser. Tu n'as pas frappé ton voisin, j'en conviens. Mais qu'as-tu fait pour lui le jour où il a été martyrisé? Tu dois cesser de penser exclusivement à ce que tu ne dois pas faire et commencer à penser résolument à tout ce que tu pourrais faire pour les autres. Tu ne seras pas tant jugé sur les commandements que tu auras observés, mais sur ta capacité d'aimer, d'être frère. Nous sommes tous solidaires, ne l'oublie pas, et dans les mal et dans les bien. C'est pourquoi je t'invite à écouter cette chanson où nous ferons nôtre, toi et moi, la détresse de nos frères. Tant qu'une larme d'enfant tombera sur la terre, tant qu'une fille de joie saura pas être mère, tant qu'un pauvre mendiant pleurera sa misère. J'en ferai mon affaire, j'y verrai mon péché, j'en serai solidaire. Et du fond de ma honte, je crierai vers mon Dieu, qu'il garde dans sa main tous mes frères. Tant qu'un seul ouvrier cuve son vin dans la rue, tant qu'une femme est trompée, pleure un bonheur perdu, tant qu'un homme enchaîné hurle sous la torture, j'en ferai mon affaire, j'y verrai mon péché, j'en serai solidaire. Et du fond de ma honte, je crierai vers mon Dieu, qu'il venge de sa main tous mes frères. Tant que l'eau et l'orage appauvrissent les paysans, tant que le dernier village mange pas sa faim, tant que brûle le sauvage de la haine dans le sang, j'en ferai mon affaire, j'y verrai mon péché, j'en serai solidaire. Ma honte, je crierai vers mon Dieu, qu'il garde dans sa main tous mes frères. Tant qu'une fille par sa mère est forcée d'avorter, tant qu'on vole la nuit le pagne de ma mère, tant qu'un homme réduit sa maison en poussière, j'en ferai mon affaire, j'y verrai mon péché, j'en serai solidaire. Ma honte, je crie.
vers mon Dieu, qu'il gardait dans sa main, qu'il gardait dans sa main, tous mes frères, tous mes frères. Passer à l'action, sacrifier tout pour un idéal, voilà ce qui nous manque. Sortir de notre petit monde égoïste et être capable d'aimer vraiment l'autre. Voilà tout un projet de vie chrétienne. Des hommes et des femmes le font aujourd'hui, car ils ont compris que la seule chose qui peut sauver l'humanité, c'est de se mettre résolument à son service, n'épargnant pour cela aucun effort. Voici le cas de quelqu'un qui a réussi sa vie, et cela malgré les railleries de ses amis. Faisant fi de dire des gens, oubliant ses propres vœux de réussite personnelle, il a misé pour les plus pauvres. Il est mort comme il a vécu, cœur joyeux et les poches vides. Sa vie est-elle un échec ou le plus grand des succès qu'un homme puisse obtenir? Cela dépend des points de vue. C'est le paradoxe chrétien. Un réchaud, une table délabrée, un lit des camps, c'est tout ce qu'il avait. Un plafond par où la pluie coulait, une vieille lampe au verre cassé. Mais les fois que j'allais vers lui, j'étais sûr d'y trouver un lit. On mangeait ce que l'on trouvait, on chantait et les peines partaient. On mangeait ce que l'on trouvait, on chantait et les peines partaient. Il trimait toute la journée durant, comme font tous les hommes pour l'argent. Mais pour lui, l'argent ne compte plus, lorsqu'il pouvait aider un copain. Il pouvait se couper en deux, pour aider un enfant perdu. Il savait être généreux, envers ceux qu'il avait aimés. Il savait être généreux, envers ceux qu'il avait aimés. La 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 la. Il y en avait qui se moquaient de lui parce qu'il prenait sur lui leurs soucis. Se donnant de la peine plutôt que de jouir de la vie. Lorsqu'enfin il nous a quittés, nous avons découvert qu'on l'aimait. Il est mort comme il a vécu, cœur joyeux et les poches vides. Il est mort comme il a vécu.
arrive cependant que les situations, les conditions de vie sont si pénibles que l'instinct de conservation est plus fort que toute autre considération. Philibert est quelqu'un qui en a marre, mais sérieusement marre, à tel point qu'il décide de tout abandonner, de tout laisser de côté, y compris femme et enfants. La vie n'a plus pour lui aucun sens. Il essaye de tout noyer dans la boisson. Il devient nerveux, inquiet, porté à la colère. Il aurait besoin de quelqu'un à côté de lui, peut-être toi-même, qui puisse lui dire que la seule chose qui vaille la peine est de rendre heureux ce qu'on aime. Et que s'il parvenait à comprendre cela, il serait sauvé. Combien de fois nous avons peur d'aborder les copains et de lui dire la vérité sur sa vie. Peut-être n'attend-il que cela. Mais nous avons horreur de la vérité. Il y a tant de malheureux dans ce monde. Tout serait autrement beau si des cas pareils n'existaient pas.
si toute la misère disparaissait de notre planète. Il nous arrive parfois de penser, surtout dans des moments de découragement, que la venue du Christ a peu changé les choses. Il y a tant de travail encore à faire. On n'est pas d'accord avec l'injustice ou avec l'exploitation, la colonisation ou la torture. Mais nous ne faisons rien pour en venir à bout. Bien au contraire, chacun cherche à sortir le premier du bateau qui coule. Bourse d'études pour l'étranger, recommandations, une situation économique à l'abri de toute éventualité. Ce n'est pas en se lamentant ni en se défilant que ce monde va changer. Que chacun de nous, moi le premier, se mette au travail pour rendre meilleure la vie que nous avons gâchée. L'Évangile ne nous demande d'ailleurs pas autre chose que nous nous mettions à l'œuvre dès maintenant pour construire la fraternité. Je n'aime pas la peur des gens au cachot, ni tous les contrôles policiers. Mais j'aime la joie autour du foyer, à l'heure du coucher du soleil. Mais j'aime la joie autour du foyer, à l'heure du coucher du soleil. Je n'aime pas la peur des gens au cachot, ni tous les contrôles policiers. J'aime la joie autour des foyers, à l'heure du coucher du soleil. Je n'aime pas la guerre qui tue l'innocent, la haine vêtue en soldat. Mais j'aime la paix du jour du Seigneur, les jolis costumes des gens. Mais j'aime la paix du jour du Seigneur, les jolis costumes des gens. Je n'aime pas la guerre qui tue l'innocent, la haine vêtue en soldat. Mais j'aime la paix du jour du Seigneur, les jolis costumes des gens. La main qui lâche les chiens, je n'aime pas les cœurs méfiants. Mais j'aime les portes sans barre et sans clé, ouvertes par pure amitié. Mais j'aime les portes sans barre et sans clé, ouvertes par pure amitié. Je n'aime pas la main qui lâche les chiens, je n'aime pas les cœurs méfiants. Mais j'aime les portes sans barre et sans clé, ouvertes par pure amitié. Je n'aime pas les yeux de larmes taries, pourtant des misères subies. Je veux que le rire éclate et l'espoir, que le monde chante la vie. Je veux que le rire éclate et l'espoir, que le monde chante la vie. Je n'aime pas les yeux de larmes taries, pourtant des misères subies. Je veux que le rire éclate et l'espoir, que le monde chante la vie. Je peux maintenant vous dire mon souhait, que chacun de nous, moi le premier,
se met au travail pour rendre meilleure la vie que nous avons gâchée. Et se met au travail pour rendre meilleure la vie que nous avons gâchée. Je peux maintenant vous dire mon souhait, que chacun de nous, moi le premier, se met au travail pour rendre meilleure la vie que nous avons gâchée. Nous sommes tous engagés sur la route de la vie, dans des conditions très différentes. Les uns dans des conditions infrahumaines, les autres vivant dans l'opulence. Mais n'oublions pas Jésus, qui détient le secret de l'univers et qui nous attend au bout du chemin pour rendre justice. Et le voici qui fait route avec ceux qui souffrent et connaît leur souffrance. Ces pauvres gens qui peinent dans les usines et sur le chemin du travail pour un salaire de misère à 3 heures de la nuit sur la route d'un djili, d'un pas alourdi par la fatigue. Ils ne le connaissent pas, lui, la source de la vie. Mais un jour, il se dressera pour eux, sur la route du paradis, pour essuyer toutes larmes et leur tendre les mains. De la nuit, sous les vents et la pluie, et le froid pénétrant, la rue et des passants qui s'amènent sans bruit sur la route d'Njili. Ils ne voient pas les jours, quand ils quittent le quartier, ils reviennent quand la nuit a couvert le sentier, la rue et des passants sur la route d'Njili. Et tout près de chacun, un ouvrier silencieux fait le même chemin. Il s'appelle Jésus, mais ces pauvres passants ne l'ont pas reconnu à 3 heures de la nuit. Quelquefois un sourire, un regard amical, mais souvent c'est l'ennui des journées presque égales à 3 heures de la nuit sur la route d'Njili. Ils n'ont qu'une pensée tout le long du chemin, l'arrivée du matin où l'on ne doit pas marcher à 3 heures de la nuit sur la route d'Njili. Et tout près de chacun, un ami silencieux fait le même chemin. Il s'appelle Jésus, mais ces pauvres passants ne l'ont pas reconnu à 3 heures de la nuit. Quand
il pense aux enfants qu'ils ne peuvent bien nourrir, ils maudissent l'argent dont ils sont dépourvus à 3 heures de la nuit sur la route d'Njili. Et ils ont dans le cœur un désir infini, le souhait d'un bonheur qui ne passerait plus à 3 heures de la nuit sur la route d'Njili. Et tout près de chacun, un ami silencieux fait le même chemin. Il s'appelle Jésus, mais ces pauvres passants ne l'ont pas reconnu. Mais je sais qu'un beau jour, ils seront avec lui à 3 heures de la nuit sur la route du paradis. À la fin de cette causerie, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Peut-être un jour on aura la joie de se rencontrer et d'en parler. J'ai encore une chose à vous dire. Deux chemins s'ouvrent devant nous. Le chemin de l'aisance, de l'avoir, du recevoir, où nous cherchons notre propre réussite, notre épanouissement, notre petit bonheur. Et le chemin du donner, de l'oubli de soi, où nous cherchons à rendre les autres plus heureux, et cela en oubliant notre propre bonheur. À nous de choisir. Jésus le fit le premier et il est là pour faire route avec nous, avec la promesse certaine de notre totale réussite.